J'ai oublié de mettre la caméra. Cool. Hey, c'est Zé, aujourd'hui on se trouve sur Breath of Fire 3. Et on va chercher les pièces pour le bateau. Ça fait longtemps que je suis pas sorti de vidéo. Enfin, la dernière vidéo que j'ai sortie, c'était il y a pas longtemps, mais c'est parce que cette vidéo juste avant. Bon, je vous explique. Ma dernière vidéo, je l'ai sortie en fait. Enfin, je l'ai tournée il y a environ un mois. Un mois. Ouais. Et je l'ai sorti en fait qu'il y a pas longtemps. Et c'est pour ça en fait que dedans je dis pas oh bah ça fait longtemps et tout. Non. C'est parce que de mon point de vue là-bas, ça faisait pas longtemps. Donc aujourd'hui on cherche les pièces. Et normalement c'est les trucs qu'on avait vu. Bah je viens d'en ramasser une d'ailleurs. Et il doit y en avoir deux cachés. Donc on va y aller et on va chercher les pièces. Donc là ça nous en fait une. Je sais pas combien il nous en faut mais un bon paquet. Ah, voilà, par exemple. Alors, une pièce H, c'est comme ça. Et normalement, c'est un truc comme ça. Je sais pas. Que dalle. Ah, pièce G. Troisième pièce. Ça, c'est un des moteurs. Enfin, c'est pas un moteur, je sais pas trop ce que c'est, mais voilà, quoi. Rien ici. Et ici, rien non plus. Non. Ah. Ah putain, si, il y avait une pièce. Oh, putain, j'avais passé à côté. Oh le bad. Et donc là, normalement, on peut entrer. Changement de musique. La musique de labo. Okay. Donc, est-ce qu'il y a des pièces à l'intérieur? Oui. Pièce D. On va voir les Mickey ici. Ah putain, c'est encore des noisettes. Des... Comment ça s'appelle là-bas? Des noix, des mages noix. Il y avait des mages noix et ça, je sais pas plus ce que c'est. Je sais plus. C'est pas grave. On s'en fout. On s'en fout carrément. Je sais même plus comment ça. Voilà, pour ceux qui voulaient savoir, c'était des trenois. Des trenois. Ah, ça ressemble à ça les pièces en fait par terre. Ah bah, je suis con, on a eu un truc tard. Ouais, vas-y, je suis con. Elle est verrouillée de l'autre côté. J'ai reçu un message. Là, ça s'appelle un éclair. Allez, ça ressemble à un éclair, oui. Non, pas du tout. Pourquoi on a gare? Oh, c'est pas grave, c'est bon. Gare est dans une forme physique assez suffisante pour faire ça. I think. Là, je connais les verbes irréguliers. Ok. Je vais lui répondre quand même parce que sinon je vais déprimer. Et non. On attend son prochain message. Vous allez voir son visage, ça me fait mal ou pas. Ah putain la douleur. Ok. Donc on peut compter ici. Il y a une pièce juste le... Comment on passe? What? Ah là il y en a une. Là c'est là je peux avoir. Ouais, pièce D. Comment c'est le nombre de pièces qu'on a ou combien il faut en... Ah, combien il faut en récupérer en plus. Pièce C, ok, merci. Ici y'a rien. Non. Où est-ce qu'on peut aller d'autre? Ok là. On peut aller en haut, non. Ah putain, attends, je les avais. Waouh! Ah bah voilà, je les avais pas vus. Ouais, mais si je prends un peu. Ok,
Ceux qui sont en kiff sur la musique, je déteste. Trouver pièce H. Putain, je viens de me bloquer en fait, je peux plus aller derrière. Ah, ça va être problématique ça, c'est une pièce derrière. Ça, je peux mettre ça. Là, il y a peut-être une pièce derrière. C'est obligé, une pièce derrière. Même pas. What the fuck? On me voit spammer la touche. Oh, comme un gros PD. J'ai pas fait exprès. Ça va être tellement chaud de tout s'y trouver, franchement. Je pense que ça va être la partie la plus chaude de l'aventure. Ah, voilà, c'est bien celui-ci. Je contournais une pièce là tout à l'heure. Sinon, il n'y a pas l'air d'avoir de pièce derrière, donc c'est bon. Ici. Rien. Et de ce côté. C'est pas une pièce, ça. C'était un coffre. Ça, c'est une pièce. Il y avait un coffre avec une robe bonbon. Est-ce que ça ne sert à quelque chose? Que dalle. Allez, ouais. Super. Comment on monte? Ah, ok, je crois. Tout. Normalement, c'est les dernières pièces. Il reste plus qu'à espérer trouver pièce. Oh, cool. Merci. Vous savez quelle chaîne j'aimerais bannir de YouTube? Bah, je vous le dirai pas. Je vais pas faire la guerre avec cette chaîne. Pourquoi je fais la guerre avec cette chaîne? Je suis con. Je suis qu'une petite chaîne. Ah, oh, putain, non. Faut le rabaisser de 1. Donc, je voulais dire, deux chaînes que j'aimerais supprimer de YouTube, vous voulez vraiment savoir? Mauno, franchement, vraiment. Parce qu'il me saoule, et qu'il y a une moustache de bof. Qu'on se le dise. Et j'aime pas ces vidéos. Ces vidéos, c'est nul. C'est de la merde. Voilà. Et ensuite, deuxième youtubeur que j'aimerais voir sa chaîne supprimée. The Jvan King. Non, je connais. Max Skies. Max Skies. Ouais, c'est dur à dire. Le mec avec son boucle roux. Lui aussi, il me saoule. Et une troisième chaîne, vous êtes sûr? Même si au début j'aimais bien ce qu'il faisait, la cagoule. Voilà, la cagoule. Complètement. Et me demandez pas pourquoi, je sais pas. Mais j'ai vraiment envie que sa chaîne ne soit plus. Parce qu'après il rentre en conflit avec tous les youtubeurs et tout, c'est chiant. Elle a pas répondu. Il rentre en conflit avec tous les youtubeurs, il clash et tout, il crie. Non, moi je démarche, c'est bon. YouTube au début c'était un havre de paix. Puis après, maintenant il y a des gens comme ça sur la cagoule. Ouais, non, c'est chiant. L'époque où j'ai créé ma chaîne, il n'y avait pas tout ça. C'était le 8 juin 2015. Ah, ça va bientôt faire 2 ans en fait. Ah merde. J'ai pas de barbe ni de moustache pourtant. Je suis pas vieux. Qu'est-ce qui se passe? Merde. Ah, vous aimez ce bruit, hein? Tout le monde aime ce bruit. Ah oui, j'ai mal. Espérons que j'ai toutes les pièces. Mal. Bon, ce que vous voyez pas, c'est que là il y a la Xbox d'allumer et c'est Watch Dogs. Pas le 2 là. Nos budgets sont très limités. Allez, c'est parti. Où est-ce qu'il est, Momo? Ah, toi. Demande aux gens de la guilde où il vaut mieux rechercher des pièces. Ok, c'est pas toi. Bade.
Grâce à vous, nous aurons un bateau en état de marche. Bien plus rapidement que prévu. Merci beaucoup. Bon, Momo, du coup. Momo, yes! Ah, te voilà! As-tu tout trouvé? Voilà. Oh putain, yes! Du premier coup! Moment historique dans l'histoire de mes chaussures, je vais les enlever. Donc si je perds une taille, c'est pas grave. Moment historique, putain. What Bon, Xalit, pourquoi n'allons-nous pas sur le pont? Allons-y. Putain, on a réussi à réparer le bateau du premier coup. C'est pas le pont, ça. Encore un peu plus, Xalit. Voici la salle des machines. Démarre le moteur. Démarrer le moteur! Et ça marche! Il va partir? Moteur en état de marche! La barre à bâbord toute! Bien, chef! Ah, depuis le temps qu'on en parle du bateau. Le moteur tourne. Mettez le cap sur Rafale. Oui, chef. Avant de pouvoir vous donner le bateau, nous devons. Il va nous donner le bateau? Entre-temps, eh bien, le bateau est petit. Et petit. Mais faites ici comme chez vous. Oh putain, yes. On va pouvoir aller par Dieu. Je ne sais pas si nous pourrons affronter la mer avec ce bateau. Ça tombe pas mal, non? Que veux-tu dire? Est-ce que je suis réparateur ou quoi? Personne ici. J'aime bien les idées. Pas de bonhomme. Et Nina, ma meuf. Ça fait du bien d'être sur la mer, pas vrai, Xalit? Maintenant que tu repenses, personne ne m'a dit quel dégât le bateau a subi cette fois. Hé, dites, hé, vous connaissez le bateau noir? Si nous traversons tout l'océan, nous apprendrons peut-être tout sur cette race et sur toi, Xalit. Le bateau noir. Le gros bateau qu'on voit parfois au loin. Vous ne le croirez peut-être pas, mais le bateau noir était ici, sur la mer du milieu, sire. Hé, hey, qu'est-ce que c'est? Le bateau noir. Pareil, 10 000 euros, ça. On dirait que ça s'approche. Un bateau? Il est sorti de nulle part et il est apparu juste devant nous. Nous n'avons pas pu l'éviter. Impossible. Le bateau noir ne circule que sur la mer extérieure. Il ne peut pas naviguer dans des eaux aussi peu profondes que celles de la mer du milieu. Ça va pourtant, frère. Ah ouais! Le truc est bétal en fait. Me dis pas qu'on va devoir aller dessus. Non. Putain, si on veut devoir aller dessus. Ça se voit, il y a des portes. Il est parti. Je me demande ce que c'était. Il flotte là-bas.
Il est... On dirait qu'il n'y a personne à bord. À l'abordage, non, je peux. Si c'est vrai, on devrait aller l'inspecter. Il pourrait représenter un danger pour nos lignes maritimes. Nous sommes arrivés. Voici Rafale. Ok. Qu'est-ce que ce monde de fou? Attendez. Voilà. C'est pour voir si je dois aller chez le coiffeur ou pas pour voir mes cheveux derrière. Désolé, je me sers de vous. Nous serions arrivés à Rafale. Non, nous sommes arrivés à Rafale. Utilise le présent, pas le passé composé. Non, non, c'est de la parfaite, je sais rien. C'est vrai que ça a duré un moment, mais le bateau est enfin à votre disposition. Ces deux matelots vous amèneront où vous voudrez. Merci, Babe. Nous avons prévu de... Halt! Ah, c'est en forêt de Zig. Qu'est-ce qu'il veut? Laissez-moi faire. Laissez-moi piloter leur bateau. Bail, je veux dire maître de la guilde. Qui se fait pour respect du coup? Oui, d'accord, Zig. Ah, ça a pas dû. Bail aurait bien pu me battre au phare. Et aussi auprès de Chadis. Mais je vais vous montrer que personne ne pilote un bateau mieux que moi. Ah oui. Bon bah go alors. Ok, alors je serai sur le pont. Prévenez-moi quand vous serez prêt à partir. On est totalement prêt. Zig est comme ça, mais d'un côté il a raison, c'est notre numéro 1. Ouais, j'ai reçu un message. Vous êtes entre de bonnes mains. Alors prudence et bonne chance. Les réponses courtes sont souvent les meilleures. Alors prudence et bonne chance. Les choses courtes sont souvent les meilleures. Bon bah j'ai une meilleure bite que les autres. J'ai reçu un message. Toujours. Ouais, ouais, ouais. Mais c'était pas le moment pour ça. Ah, ok. Attends, excuse-moi, j'ai pas compris. T'as dit quoi? Ok, c'est bon. J'attends un nouveau message. Seuls les vrais savent avec qui je parle. Ouais, ouais. La voilà, la chance de ma vie. Allons-y. Un message. J'ai promis à ma meilleure amie de ne rien dire. Non, je lui ai pas promis, donc j'ai le droit de le dire. Ok, je le fais direct. Je pleure. Je lui ai demandé le truc critique. Reste plus qu'à avoir une réponse. Tu devrais peut-être en parler aux autres. Préviens-moi quand vous voudrez partir. Bah, je te préviens tout de suite parce que j'ai pas envie d'aller après. Je pense que tu devrais d'abord en parler aux autres. Non, ta gueule. Préviens-moi quand vous voudrez partir. Ok, go. Ah, je sais! On va leur demander dans le sens où on les a rencontrés. Comme ça va être marrant. Du coup. Faut que je ouvreille! Quelque chose me dit que la traversée de l'océan ne sera pas aisée. Il y a bien une raison pour laquelle personne n'a encore essayé, non? Ouais, mais on doit aller voir Dieu, donc ta gueule. Allez, on va demander à la prochaine. Le vent semble bon, Zialit. À quoi ressemblera l'autre côté de l'océan? Nous serons les premiers à le découvrir.
Je ne sais pas à quelle distance se trouve l'autre côté. Mais le moteur fonctionne à merveille. Alors ne vous faites pas de soucis. Traverser la mer pour rencontrer Dieu. Même les Hyrcaniens n'auraient pas cru cela possible. Je dois bien te croire. On peut y aller, Zig. Alors, prêt? Oui. Ah putain, je suis en train de parler tout seul alors qu'il y a la caméra allumée. Nous devons nous. Ah. Sur la mer? Voilà. Je pensais bien que tu allais dire quelque chose comme ça. Je crois qu'il faut que je te dise que personne n'est revenu vivant de là-bas. Putain, on m'a répondu. Vous voulez vraiment le faire? Ok. Il m'a encore répondu. Bon, maintenant vous êtes entre de bonnes mains. Le vieux Zig est le meilleur capitaine de Rafale. Non, du monde entier. Si quelqu'un doit vous emmener sur la mer, c'est bien moi. Qui d'autre oserait entreprendre une telle expédition? Pourquoi ça bouge pas? Putain, mais c'est nous qui le contrôlons en fait. Bah alors ça. C'est la mer. Les marées sont trop fortes pour avancer. Si vous ne connaissez pas les courants. Merde. Ah non, c'est pas là la mer. Bah alors. Aurais-je spotted un endroit caché? Ah ok. Bon, je vais répondre. On verra après. Je vais répondre pendant la croisière. Nous y sommes presque. Mieux vaut vous retirer à l'intérieur. Putain, mais je parle tout seul alors que la caméra fait chier. Je suis con, moi, putain. Il fera mieux de faire le tour. Oh, j'en connais un qui a mal de mer. Il s'appelle Ray. Je connais ces histoires. Mais je ne croyais pas que ce serait si violent. Peut pas passer. Certes, je vous ai dit que je pourrais vous y emmener, mais je ne sais pas si nous y arriverons avec ce bateau. Le bateau noir! Il est vide! On peut le prendre! Il est assez grand sûrement pour faire la mer, non? Attends un peu! Veux-tu dire que nous devons oublier la traversée? Mais non, le bateau noir. Si le meilleur marin de Rafale n'y arrive pas, qu'il fera? Désolé, je crois que je ne suis pas aussi bon que le marin légendaire. Qui est ce marin légendaire? Le marin légendaire? Il pourrait nous faire traverser l'océan? Ce n'est pas tout à fait ça.
Nous autres marins avons une légende qui parle d'un marin qui vit sur la mer intérieure et qui a atteint l'autre rive. Mais ce n'est qu'une légende, une histoire. Même si ce n'est qu'une légende, il doit y avoir une part de vérité. Toujours une part de vérité dans la légende. Dis-nous en plus sur lui. Wow. Le français, salut. Bon, vous savez, je ne sais pas grand-chose sur lui. Au nord de Rafal se trouve une petite ville nommée Asek. Le maire de là-bas pourrait peut-être en savoir plus. Ok. Asek ? Bon, allons-y. D'accord, sire. Prévenez-moi dès que vous serez prêt. Ok. Bon, il va falloir déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, yes, super, ouais, grave. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner, de partager et de commenter, ça ferait énormément plaisir. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Je ne pourrais pas mettre de musique après parce que ça, c'est pas une musique. Ce n'est pas une musique, ça. Donc, ciao! Évidemment, c'est manuellement le truc, hein. Bande de bites.